bonjour à tous les amis, c'est Dino Oliveira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 54 de FIFA 19. On va avoir un match contre le Stade Malherbe de Caen et le match retour de l'UEFA Europa League contre le Fenerbahçe. On va le jouer à domicile, donc plutôt intéressant pour contre Caen. On va peut-être un petit peu utiliser l'équipe B. Pour avoir toute l'équipe A pour le Fenerbahçe. On va avoir Paris juste derrière, donc ça va être compliqué, mais Paris ce sera dans le prochain épisode. Là on va se concentrer sur le match qu'on doit réaliser contre le Stade Malherbe de Caen. Donc, première chose, on va faire jouer l'équipe B, enfin à part Adan évidemment. Donc hop, Pinto, Nakayama, à la place de Ampadu et Miura, on va mettre Bozikov et Nestor. Fulgini, tu vas te reposer, on va mettre Liao Lichen. Gomez, à la limite, il peut rester. Mount, tu peux rester. En fait, la grille d'attaque, elle peut rester. Sauf Julan. Julan, toi, tu vas laisser ta place à Mosen. Et tu vas aller te reposer. Justino Demelo, tu vas prendre la place. Ici. Alors, voyons voir. Fulgini va se reposer également parce que... On va mettre Loyodis. À la place de Nakayama, on va mettre Chevalier au cas où. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. C'est parti avec cette équipe-là. Adan, Barrett, Pinto, Bozikov, Nestor, Liao Lichen, Gomez, Wang Bowen, Mount, Belcourt et Mosen. Bon. Si on fait match nul, certainement je ragerai, mais voilà quoi, c'est pas ce que je veux en premier lieu. En tout cas, c'est bien comme truc, ça me permet de faire des moins 100, ça. Bon. Moi, en premier lieu, de toute façon, ce que je veux, c'est gagner l'Europa League. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver. Ensuite, en direct du stade municipal. Deuxième lieu, pouvoir me qualifier directement pour la Champions League. Parce que nous, c'est Valenciennes. On est de l'ambition quand même. Le premier aura probablement il nous faut de l'ambition. Alors si ça se goupille bien pour eux aujourd'hui, s'ils font un meilleur résultat que leurs concurrents, eh bien ils peuvent s'asseoir dans le fauteuil de leader à l'issue de cette journée. Allez, c'est parti. Enfin, c'est pas impossible quand même. Hein. Plus de la moitié des matchs ont été joués dans le championnat. En tout cas, si jamais cette série vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter. Du Stade Malherbe de Caen. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de... Et Mosen être celui-là. Dommage. Alors, tant que j'y pense, contre, je sais pas si je vais y penser à le mettre dans le. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Dans le truc. Je sais pas si je vais penser à le mettre dans. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Dans le résumé, mais. Vous pouvez maintenant me suivre sur Snapchat. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Donc, vous pouvez me rajouter et sur Snapchat, il n'y a pas de souci. C'est pour le gardien. Hop. Je verrai si je peux mettre si je peux mettre le lien dans la description. Allez, faut s'appliquer pour centrer. Si j'y pense. Ouais, bonne intervention. Par contre, là, hein, les défenseurs loin merde. Devant. Il court. Cherche un coéquipier dans la surface. Dommage. Et on a dégagé. Pour écarter le danger. Je pouvais trouver un. Quelque chose à dire sur mon équipe, c'est vraiment sur le point de vue tête en fait.
Du moment qu'il n'y a pas, y a pas centre, de Julian dans les parages, au niveau tête, je suis pas vraiment. Le risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est vraiment détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Ah, la passe en profondeur. Ouh, il y a Olichen qui est passé. Dommage. Dommage, ça a été contré et du coup, il a pu la récupérer. Comme quoi, ça se joue à pas sinon, ça faisait but. Hein. Franchement, ça faisait but. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ouais, bien fait. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Mais ça, c'est moins bien fait. Soigné, mais il ne trouve personne. Allez, vas-y, Mount. Wang Bowen. Wang Bowen, ça fait longtemps que t'as pas marqué. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut... Il prend sa chance. Ah. Ouais, là, il y a du gardien. Putain, le gardien, je sais pas qui c'est, mais... pour l'instant... il dépote, hein. Il dépote sévère. Pour intercepter cette passe. Allez, Liao Lichen qui passe à Belcourt. Ouais, bonne anticipation. Malheureusement, sur cette anticipé passe. Par un enfoiré. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, bonne bien joué, Adan. Gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Allez. Ouais, il protège son ballon. Ouais, je fais que de la merde. Bon. Ça allez, fait. Ça fait une touche pour eux. Ça fait une touche pour eux. Bon. Hernan Toledo. Oh, c'est bien donné en profondeur. On attaque. Il y a eu hors-jeu. Il y a eu hors-jeu. Et l'arbitre assistant l'a bien vu. Il y avait hors-jeu. Pour l'instant, ça va. On a récupéré. Du coup, Bozikov va pouvoir relancer. Gomez, Marwan Mosen. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon Belcourt. Choix. Belcourt, la double esquive, la triple esquive, la quadruple esquive. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Alors là, le but de Belcourt, il fait plaisir. Franchement, sans déconner, ça fait plaisir. 1-0 pour nous. Distance. Ça c'est fait. Facile. Oui, ça va trop vite. C'est trop près pour le gardien qui peut rien faire. Christophe Belcourt ouais, le score qui est donc ouvert, dans ses œuvres. Ah, c'est beau. Il s'avance vers la surface. Hop là, on récupère la balle. Pépère. Gomez qui donne à Belcourt. Belcourt qui fixe. Malheureusement, la passe en profondeur n'est pas passée. Mais on a quand même gardé le ballon. Donc ça, c'est intéressant. Yao Licheng. Wang Bowen. Vas-y. Wang Bowen. Malheureusement, il n'arrive pas à faire une belle cour. Tiens. Pinto. Gomez. Je voulais tenter tirer, mais... Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans bon. Ce match. Eh ben, 1-0 à la mi-temps. C'est... Bah, c'est comme, comme le match contre Toulouse du dernier épisode. Hein. On a des difficultés à finir à l'instant, cette seconde nos occasions, mais... Sous la pluie. Oh, mais quel temps pourri. On mène. C'est sûr que techniquement, on mène bien. On prendre un coup. Ça, c'est bon dégagement sans se poser de questions. Hop. Gomez qui récupère Liao Lichen. Bliette. En mise en touche. Ouais, monsieur l'arbitre. Ah, la passe complètement manquée. Je suis nul. Je suis tout à fait nul. Alors, Wang Bowen, tu vas laisser ta place à Mancini, parce que, sans déconner, Mancini, au milieu, il fait vraiment le taf. Gomez, tu vas laisser ta place à Masson. Et puis, on va continuer comme ça pour l'instant. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. C'est grâce à lui, son équipe est devant à la pause. Bien, avec ses buts marqués, comme ça, c'est moi qui récupère la balle. Juste avant la mi-temps. Alors, ce n'est pas un joueur, mais deux hein, qui vont rentrer sur la pelouse. Masson.
Et Mancini. Il va donc y avoir un changement. Mancini qui déjà fait des appels de balles. Heureusement, il n'est pas encore assez rapide. C'est vraiment ça, il manque encore de la rapidité. Un match de Ligue 1 Conforama avec cette rencontre où le stade Malherbe de Caen. Tu lui rajoutes un peu de rapidité, franchement, ça va. C'est ok, Hervé, on va suivre tout ça avec plaisir. Hop là, Mancini qui récupère. Pour écarter le danger. Ouais, heureusement, ça peut on est tout seul contre 4. Attention. J'ai tenté de passer à Mosen, mais pas réussi. Hop là. Et 30 minutes à jouer. Hein, dans le gars qui est... qui ouais, va faucher comme un bourrin. Intéressante, là. Il gagne son duel. Ouais, il lui a manqué quelques centimètres pour récupérer ce ballon. C'était bien joué. Ça, c'est récupéré. Barrette. Hop là. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il a On est passé pépère. Ouais, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un Mount, petit peu le bloc qui perd la balle. Qui est très compact. Inga. Mount qui a perdu la balle. Demandé. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse. Je voudrais bien la récupérer si possible. Inga. Et pas me prendre un but à la con. Il prend la frappe. Voilà. Oh, bon, c'est pas un but à la con, mais je me suis pris un but. Bon, bah 1-1. Est-ce que je sors Belcourt? Je pense que je vais devoir le sortir. Hein. Je vais devoir le sortir et mettre l'Oyodis. Bon. L'égalisation, Pierre. Moi, du moment que je perds pas. Le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être. Du moment que je perds pas, à la limite, je peux faire un match nul. Ça me dérange pas trop. Dos à dos. Ça me dérange pas trop. Ouais. Vas-y, passe, putain. Allez, Masson, récupère. Nestor. Barrette. Il y a beaucoup trop. Ils sont tous en défense. Hein. Allez, Mancini. Ah, un geste plein de calme, de maîtrise. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Je vais tous les taper. Ah non, le ballon. Non, mais non, mais il y a quoi là? C'était évident. Et mais d'où il y a avantage? Oh là 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 là! Ah, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Eh ben, c'est bien un arbitre de Ligue 1. Ouais, il a anticipé la trajectoire. Tous aussi nuls les uns que les autres. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée. C'est quand même le roi des nuls en Ligue 1, c'est quand même Turpin. Alors là, tu peux pas trouver plus pourri arbitre que celui-là. Ouf! Ah, dommage, il y avait l'occasion vraiment de prendre l'avantage. Ils ont tenté. Ils ont tenté, ils ont perdu. C'était leur dernière chance de marquer. Toujours ce match nul, rien n'est fait. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. C'était leur dernière chance de marquer, c'était leur dernière chance. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Il reste pour essayer de faire la différence. Oh, c'est l'interception. Allez, Mount. Allez, faut y aller, Marwan. La frappe. Ah, mais c'était nul, mais t'es nul, Marwan Mosen, mais t'es nul. On a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Bon. Bah, je crois que c'est fini. On va peut-être essayer de l'autre côté. Ah, mais Mosen qui recule, qui s'avance comme on veut-tu, comme on veut-tu. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Un ballon. Comment veux-tu par l'adversaire. Ah, il pousse dans les dernières minutes. Il y a la allez, victoire au bout de allez, l'Oyodis, allez. Oh voilà, c'est bon, l'Oyodis, clairement, je pense que... Les deux équipes hein à égalité. À chaque fois que j'essaie de le faire jouer, à chaque fois, il me fait rien du tout. Donc, à mon avis, je vais soit le prêter, soit le revendre, parce que... Ah, je trouve qu'il a été plutôt bon. Hein, jouer pour ne rien faire, hein. C'est long. Voilà. Merci Christophe Belcourt d'avoir marqué quand même. Bon, un partout. On n'a pas perdu, mais... Voilà quoi. On aurait mérité un peu mieux, je pense.
Bon. Bon. C'est parti pour l'entraînement de Wang Bowen. Entraînement hebdomadaire contre la montre. Hop. Et je cours. Et j'ai raté la sortie. J'ai encore raté la sortie. Sans déconner. Allez, cours. Cours pour ta vie! Cours pour ton cul! C'est bon. J'ai le niveau A. J'ai pas besoin de plus. Allez, on voit les résultats. Ouais! 69 de dribble! Pam, pam, pam. C'est celle qui continue d'augmenter un petit peu. Il mourra aussi. Et il mourra bientôt. C'était nul! C'était nul! C'était tout à fait nul. Bon, c'est parti, jouer le match. Hop. Qui est-ce que je vais mettre à la place de Fujini? Parce que Fujini va prendre la place de Mount. Belcourt, Wang Bowen, c'est bon. Mount, qui est-ce que je peux mettre à sa place? Bah, je pense que je vais mettre Chevalier, hein. Je vais mettre Chevalier. Hop, Yaoi Shen. Il va laisser sa place également. Mosen, tu vas laisser ta place, t'es trop nul. Ah, écoute. On va y aller comme ça, quoique. Je dois quand même changer le gardien. Mettre Renault à la place de Adan. Parce que ben c'est ce qu'on. C'est ce qu'on a dit. Ah merde, faut que je refasse tout. Tac. Merde. Ça, c'est vraiment chiant quand ça fait ça. Tac, voilà. Et donc, on avait dit chevalier. Oui, par contre, on avait dit chevalier à la place de maçon. Hop, voilà. C'est parti pour le match. C'est parti pour le match. On rappelle que le match aller s'est soldé par une victoire 2-1. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Si ils nous mettent deux buts, ben c'est foutu quoi. S'ils nous mettent un but, on gagne quand même. Parce qu'on a mis deux buts à l'extérieur. Mais bon. Là, le match retour. Et pour ce match retour, la tâche s'annonce particulièrement compliquée pour les visiteurs. Ils ont fait un très mauvais résultat à l'aller. Ils sont condamnés à l'exploit là. Pour ce match, vous allez retrouver Pas Valenciennes face poussé, à très Fenerbahçe. mauvais résultat à l'aller. Un Ils match ont qui fait, s'annonce ils ont perdu plutôt 2-1. serré, on peut dire ça, Pierre. Oui, sur le papier, ça sent le nul à plein nez. Les deux Ils ont équipes sont perdu très 2-1. proches l'une de Je veux l'autre. dire, On va faire un c'est pronostic pas un avec ça, exploit que toi. de mettre 2-0 à une équipe, hein. Sauf si cette équipe s'appelle l'Atlético de Madrid. Ça, je dis pas, hein. C'est gratuit. Tellement gratuit. Ça, c'est Le coup de le sifflet de bonjour l'arbitre, c'est parti pour 90 du minutes. dragon sacré. Voici la composition de l'équipe à domicile. Ça, c'est pas L'entraîneur a fait le choix passé. de Hop là, positionner ses merci joueurs en bien. 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de Hop, pointe. Nakayama qui La a débordé. composition de l'équipe visiteuse à présent. L'entraîneur a choisi un Le 4-5-1 pour mec cette rencontre. qui me Sans chope doute la pour obliger balle, l'adversaire à mais tel un s'enquérir et prendre des rapia. risques.
Poloma. Il n'a pas réussi à la rabattre. En profondeur, oui, bien vu. Forcément, ils vont réussir à marquer. Et il l'a éliminé, attention. Ouais. Miura. Il se pose pas de questions. Ouais, quand même. Fujini qui récupère. Wang Bowen. Wang Bowen qui se fait tacler, mais comme un bourrin. Non, mais faut arrêter là. Diego Reyes. Hop là. Miura qui récupère. Ça, c'est bon. Gomez. Nakayama. Allez, Fujini. Vas-y, Fujini. Un petit peu d'espace pour centrer. Go, Fujini. Go, go. Go, Fujini. Go, go. Brin, Bliette. Bliette. Incroyable. Mathieu Valbuena. Ça fait mal. Tolga Djirji. On fait tourner. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire. Arrête-le, Ampadu. Bien joué, Ampadu. Donc Bowen qui récupère, qui passe à Valbuena parce qu'il a cru qu'il était dans son équipe. Qui récupère avec un tacle assassin. Allez Fulgini. La passe en profondeur. Parfaite pour Julan. Il manquait d'un chouïa. Et je me prends un jaune de derrière les fagots. Mais d'où il vient. Mais montre-moi les images quoi. Ouais, c'est le jaune. Je suis tombé tout seul, il est tombé avec moi. Et à un moment donné, mon gars, il tombe. C'est moi qui me prends le jaune. Je vous assure que je n'ai pas taclé. Je n'ai pas taclé. Bon ben, je me suis pris un jaune tranquille. C'est quoi la prochaine étape? La révolte ou... Un jeu qui se précise peut-être. Oh putain, je fais que de la merde. Allez, dégage ce ballon. Ballon qui est sorti en touche. Bon. J'ai compris. Fulgini, il faut qu'il arrête de dribbler comme un taré. Même s'il a l'air de s'en tirer plutôt pas mal. Mais ouais, passe là. Tacle, mais le ballon est perdu. Là par contre j'ai mitraillé le bouton de passe, il l'a pas passé hein. Frey. La violence. Tiens, mange. Le ballon qui sort, touche. C'est pour nous. Et Tadam Padou. Hop là. Oh non. Non. Non, c'est contré. Facile. Qui touche le ballon en dernier. Corner donc. Vas-y, essaye. Fais ta petite combine de merde. Pied sur ce corner. Ouais, hop là. Parade. Adan qui. Ah merde, c'est Adan dans les buts. Bon bah, tant pis, il jouera contre. L'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. Tant pis, je le ferai jouer à un moment contre une petite équipe ou un truc comme ça. Allez, bon, par contre, encore heureux que c'est Adan, par contre. Hein. Parce que là, il vient de me sauver mes deux buts, mon gars. Il vient de me sauver deux buts. Ah, mais là... Allez, Fujini. Allez, Gomez. Hop. L'autre, là, il commence à me casser un petit peu les couilles, le Fenerbahçe, là. A chaque fois, ils font des tacs par derrière. Il n'y a pas de faute, il n'y a rien du tout. Et ils récupèrent la balle. Pff, parfait. Moi, je suis désolé, mais... Putain, mais t'as vu ça? Mais moi, je fais un tacle par derrière, mais laisse tomber. Je me prends le rouge direct. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ouais, c'est trop tard. Tout le monde est revenu à son poste. Ozan Toufan. Eh merde. On écarte le jeu. Bon. Ce sera un corner pour Fenerbahçe. Encore un corner avec leur technique de merde là. En deux temps, peut-être ce corner. Ah merci. Ouais, par contre, ça c'était pourri ce que je viens de faire. Bien joué Wang Bowen. Et ce sera finalement un nouveau corner. Ah, on subit hein. Je dis rien, mais on subit. Qu'est-ce que t'as foutu, Adam? Mais que c'est mal joué. Ah, il a cherché la complication. Et... Encore heureux que ça n'a amené à rien. Attends, Adam il a. Il y a quelque chose de spécial Hop, tac. Il y a quelque chose de spécial, Adan? Monte sur les centres. Ah, tu m'étonnes. Ça passe vraiment loin, en plus. Hein.
Bon. T'as vu comment ils sont placés? Ah non, mais niveau offensif, là, je crois qu'ils ont mis la full offensive. Là, je crois qu'ils sont en 2-3-5. Assez serré, le score l'atteste en tout cas. Tout reste à faire, ce sont deux. Ils jouent avec 3 buteurs, 2 ailiers, un milieu offensif, 2 milieux centraux, et seulement 2 défenseurs, et des défenseurs latéraux, s'il vous plaît. Les gars, c'est le bourrinage, hein. Là, y a que ça qui compte, quoi. Y a que ça qui compte. On va continuer avec cette équipe-là, hein. On vient de reprendre le jeu ici et la pluie qui ne baisse pas d'intensité. On se prenne pas de but. Parce que c'est compliqué, hein. Ah, ils bourrent. Ils ont bourré dans la première période. Peut-être qu'il me faut un milieu défensif. Allez, belle cour. Allez, tu peux la récupérer. Tu l'as récupéré, mais il l'a récupéré après. Le sel. Allez, bonne touche. Bien joué, ça. Qui arrive, Paloma. Bien joué, ça. Pas bien joué, ça. Bon. Ça a été dévié. On récupère la balle. On va remplacer Wang Bowen. Quoique non, on va remplacer Belcourt. Et on va mettre Robail à la place. On a besoin de fraîcheur. On va peut-être changer Chevalier aussi, non? Et mettre Mason à la place, non? Enfin, Maçon. Parce que... Quoique. Je ne sais pas. Je pense que je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Si jamais on subit encore, je changerai Chevalier pour mettre Maçon. Je verrai bien. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Ouais, t'es bien. Dommage. Parti le centre, mais il n'y avait personne. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle. Nakayama qui récupère. Robail. Il faut qu'il son premier ballon. Maintenant. Et son premier centre. Fujini qui avait repris de la tête. Malheureusement, pas assez fort. Le gardien a réussi à la récupérer tranquillement. Ozan Toufan. Hop là, on récupère. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ou pas. Putain, il trace, c'est lui, mal hein. Défendu, c'est pas bien défendu. Il trace cet enfoiré là. C'est un runner ou. Ah, c'est un bon ah galère. Bon, ok, très bien, j'ai compris. Wang Bowen, tu passes en défense. Tu passes en défense, c'est la panique. C'est la panique. La panique est totale. Est-ce que Mancini, tu vas à la place de Fujini? C'est la panique, hein. La panique est totale. Paloma devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Allez, Chevalier. Vas-y. Vas-y, Wang Bowen. Il prend sa chance. Ah, dommage. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Dolgadji. C'est normal, ça. Je dis ça, je dis rien. Hop là. Ah, là, je sais pas ce qu'il a voulu essayer de faire. Mais... par la récupération du ballon. Voilà. On temporise. Le ballon qui change de camp. Ouais, il a fait faute, bien sûr, coup franc. L'entraîneur qui a peut-être également fait ce choix parce que son joueur a écopé d'un carton jaune tout à l'heure. Hop. Facile. Mancini. Ah oui, le bon ballon là. Dommage. Oh, ouais, magnifique. Dommage, dommage. Eh, Mancini, depuis quelques matchs, il me fait des bons trucs, hein. Hop, Wang Bowen qui récupère, normal. Robail qui a éliminé son vis-à-vis. Julan.
Wang Bowen. Wang Bowen. Allez, Roubaix. Non, c'est Paloma, il a laissé. Ah, il s'est arrêté net. Aïe, 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 aïe. Ah, merde. On va assister à un changement. Merde. Côté de Fenerbahçe. À charge maintenant pour merde. Le remplaçant de trouver ça, le bon par rythme contre, dans ce c'est match. Moche. Parce que ça veut dire qu'on a rien. Oui, le but enfin. Enfin un but. 1-0 pour nous. Dans ce match, c'est le Mancini, je crois. Enfin ouais, mais Mancini, autres, Mancini, mais il est en feu. Il est en feu en ce moment. Là. Ah, faut le faire jouer. Faut le faire jouer. Ce n'est pas possible. Parfait sur ce but. Ouais, le centre, il se bon, ben, tu arrives, Paloma. Tu vas laisser ta place à Barrett. Dommage. Il est blessé. Je peux pas le faire continuer. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, Justio Demelo, tu vas prendre la place. Tu vas prendre la place de Chevalier. Ah merde, je peux pas faire d'autres changements. Bon, bah écoute, tu. Touché, j'espère que c'est pas trop grave. Tu restes sur le banc, tu tricotes un bonnet. Voilà, et le score tu est donc ouvert, pas, hein, parce que. On bafoue, on bafoue. Tolga Djirji, Ozan Toufan, Soldado. Bon. Diego Reyes. Ouais, On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. On a un blessé. On a un blessé. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Roubaix qui a réussi à se dépêtrer de. Allez, de il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Vas-y, Barrett. Allez, Barrett. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, c'est le gardien qui s'interpose cette fois. Dommage, le Mancini en reprise de volée, c'est pas encore ça. Allez, Gomez. Ouh, Gomez, il est passé. Gomez, il est passé. Gomez, il est encore passé. Attention. Mais non, un manque de précision. Il a pas réussi à mettre un but, malheureusement. Mais il a fait une belle course. Il a fait une belle course. On peut pas lui reprocher ça. Diego Reyes. Soldado. J'espère juste que pour Paloma, ah, c'est pas trop grave. Bon, à mon avis, vu comment il s'est arrêté net, on rentre dans le temps additionnel c'est... qui sera de 2 minutes seulement. C'est un. Hop. Je voulais le jouer le corner, hein, les gars. À mon avis, vu qu'il s'est arrêté net, je pense que c'est un claquage ou un truc comme ça, mais. Un corner bien tiré. Ah du point de pénalty. Oui oh non. Enfoiré! Enfoiré de ta mère! Boulanger! On a bien frappé. Moule à gaufre! Point de pénalty. Oh, l'occasion! Moule à gaufre! Paysan! Gilet jaune! Le mec, il va. Ça y est, il va créer des insultes. On bon. Aucun but dans ce match. 1-0, donc. 1-0 pour nous! Grâce à un but de Mancini, merci Mancini, et on a gagné, on est en 8ème de finale du UEFA Europa League, et ça, c'est le plus important à retenir, je pense. On va quand même aller jusqu'au... On va quand même aller jusqu'au... Jusqu'au truc pour voir si on a un mail du kiné par rapport à Paloma. Ouais, je crois qu'on a un mail du kiné. Ouais, il est là. Alors, conférence de presse, on va le faire direct en même temps. On s'en bat un petit peu les couilles. Le dernier match, il m'est resté en travers. Match décalé. Match décalé. 3 semaines. Ah, élongation quadriceps. Ah. 3 semaines, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça va être compliqué. Bon, en même temps, Nakayama, il est meilleur. Enfin, c'est marqué qu'il peut être, qu'il est défenseur gauche à la base. Donc, du coup, on va mettre Barrett sur la droite et ben Paloma, dommage. On va mettre Pinto ici. Puis ben, on espérera que ça passe. Bon, eh ben, 3 semaines sans Paloma, ça veut dire qu'il va rater le match contre Paris, un match contre Dijon, un match contre le FC Nantes,
UEFA Europa League contre l'OGC Nice, très bien. Très bien, très bien. Bon, ben, au moins, on est sûr qu'il y aura un club français en quart de finale. N'est-ce pas? Ouah, par contre, au GC Nice, on va tellement les bouffer! Ouah! On va faire 3 matchs d'affilée contre le même club. Mais, il y a un moment, s'il y a un des deux clubs qui perd les 3 matchs, on va rager, hein, clairement. Enfin, il y a un truc, c'est pas possible, quoi. Bon, dans tous les cas, prochaine vidéo, on aura un match contre le PSG. Ça risque d'être très intense. Beaucoup plus intense que le match contre Dijon en Coupe nationale ou Coupe de la Ligue. Enfin, voilà. On va surtout regarder le match contre le PSG. Le reste, ce n'est que du divertissement, n'est-ce pas? Bon, sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'épisode vous aura fait plaisir. J'espère que vous êtes contents parce que l'UEFA Europa League, Valenciennes en 8e de finale du UEFA Europa League, ça, c'est jamais arrivé. J'espère que je vous demande un maximum de likes pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Twitter et Snapchat. Si je me souviens au moment de l'upload de mettre les coordonnées de Snapchat dans la description de la vidéo, quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Vous connaissez les bails. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dino Oliveira. Ciao.